Fait que là, la cinématique se transforme en menu de sélection de joueurs assez original. Après quelques hésitations, vous en choisissez un d'entre eux en vous disant que vous pourrez le modifier au long du jeu grâce aux chirurgies plastiques. Après ça, vient le temps de sélectionner votre premier char chez un vendeur d'occasion un peu louche. Salut Jude, comment ça va? Ça va, pas trop mal. Qu'est-ce qui t'amène? Bah, en fait, on cherche une bonne bagnole, mais pas trop chère. N'hésitez pas. Le rapport qualité-prix penche en faveur de la Lancia Delta, alors juste pour contredire ça, ben là, on va prendre la Lotus Esprit. On vous informe ensuite qu'il vous faut passer 3 permis avant de pouvoir disputer n'importe quelle course du jeu. Les tests sont de très près inspirés de Gran Turismo 5. Ils sont inutiles, mais augmentent la longévité du jeu. Les icônes holographiques indiquent l'entrée d'un... Vous serez logé dans un camper avec une piscine et un garage en espérant trouver mieux que cette chiotte. Dans le garage, vous pouvez admirer vos voitures et interagir avec elles, comme chez les concessionnaires. Dans chaque garage se trouve un panneau d'affichage pour accéder au menu. Fait que c'est ça, là, ça dit tout. Comme un GTA, la map est constituée de points clés comme des agences immobilières, des concessionnaires, des aéroports, etc. Une fois le niveau 10 atteint, vous pourrez quitter ici-bas en direction d'Hawaii. Le jeu est relativement progressif par 4 compétences différentes. Compétition, découverte, collection et sociale. Ainsi, votre niveau global augmente. C'est bien fait pareil parce que ça oblige le joueur à toucher un peu à tout et être quand même curieux. Il faut pas juste gagner les courses pour leveler. Il faut aussi se promener sur la map un peu partout et rivaliser avec les d'autres qui passent sur la route. Malgré 3 modes de conduite, du plus arcade au plus simulation, le jeu manque de personnalité et le fun à piloter n'est pas vraiment au rendez-vous. La vue intérieure est bien modelée, mais trop rapprochée du volant, et la gestion des collisions et des dégâts est mal faite. Des idées comme la frime qui permet de gagner du cash en frôlant les chars, faire du drift ou en décollant les 4 tires sont quand même acceptables. On remarquera un manque d'originalité de certaines missions. Les filatures notamment vous feront rencontrer toujours les mêmes bonhommes et leurs répliques de marde pathétiquement doublées. Bof, puis t'as les autres là, contre la montre, vitesse de pointe, duel, taxi, off-road, élimination, radar. Pour le mode multijoueur, il y a beaucoup de bugs et de messages d'erreur. Les développeurs d'Eden Games ont oublié une navigation facile et rapide, une interface comprenable et un guide pour les noobs. Entre la salle communautaire, le lancement rapide d'une partie classée et les épreuves, l'offre manque de lisibilité. Pour les achats de chars, on entre et on se dirige vers le bolide de son choix et on peut voir les statistiques apparaître et on peut le tester avant de l'acheter. Pour les modifications des chars, c'est très de base. Genre l'accélération, la vitesse maximale, le freinage, bof, c'est comme ordinaire là. C'est pas mal ça qu'il y a comme modification là. En général. Pour les agences immobilières, comme dans la vraie vie, on visite et on achète. On peut même échanger de résidence en tout temps.